programme est présenté par Starpy Productions. Peter Parker, je suis sur place prêt pour tester Destruction Derby sur Android. C'est parti. Allez, go. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Starpy Productions pour ce nouveau Let's Play. Alors, aujourd'hui je teste Destruction Derby 3. Sur Android, le lien sera dans la description et c'est une découverte. Hein, celui-ci, je pense pas que je pourrais le finir, donc ce sera plus une découverte. Voilà. Donc, enjoy et puis et bah, c'est parti. Alors, c'est quoi cette vieille voiture toute pourrie? On a un cadeau sur le côté, ouais, ça je pense que c'est des pubs. Oui, ce jeu est gratuit, disponible sur le Play Store, hein, Android, tablette. Moi je joue sur tablette, j'avoue avoir mis une toute première fois le jeu sur le téléphone et ça tourne super bien. Alors derby, ouvert, démarrer, on achète la voiture, voilà, la malice. Tiens, ça me fait penser à une chaîne que je connais, ça. Si tu me regardes, la malice. Et c'est parti. Un petit temps de chargement. Waouh. Ah, génial, il y a une pédale et tout. Hop, pédale, frein, accélérateur, on tourne. Tout le monde connaît. C'est du destruction. Donc, le but, c'est de détruire les adversaires. Voilà. Alors, moi, ce que j'aurais dû faire, c'était couper la musique. Alors, j'espère que j'aurai pas de soucis avec les droits d'auteur via la musique qui tourne. Sinon, je serai obligé de la remplacer. Alors, comment ça se passe? Alors, ça a l'air de se manier plutôt bien, hein, je vous avoue que je suis assez ravi de retrouver ce titre phare des années 90-2000 plutôt, plus au début de la PlayStation, hein, il me semble bien que c'était l'un des rares premiers jeux de voiture de la PlayStation 1, hein. Et ça, j'avoue que ça me manquait un petit peu d'avoir des jeux comme ça, arcade rétro mais sur tablette. D'ailleurs mes prochains let's play seront un peu plus portés sur du FPS comme je l'avais dit. J'ai trouvé plusieurs Doom like intéressants et peut-être même Doom, mais ça on verra plus tard dans d'autres let's play. Alors lui, est-ce qu'il est cassé? Lui il est pas cassé, lui on va le déboîter. Bam, il y a des petits dollars qui s'affichent. Ah, ça me fait comme quoi j'étais jeune, quoi. Je mangeais mon bol de Kellogg's en rentrant de l'école. Je posais le cartable, j'allumais la PS1, belle explosion. Ouais. Les explosions étaient même pas aussi jolies, quoi. C'est dingue de jouer sur Android. De jouer sur Android avec une si belle qualité, quand même, digne de, ouais, digne de la PlayStation 2, voire même de la Xbox. Hein. Bah, pas la Xbox 360 non plus, on va pas, hein, on va pas tarir des loges non plus tout ça. Alors où est-ce qu'il est le dernier? Là. Ouh, il m'a l'air bien costaud celui-là. Ah et bah voilà, il m'a éclaté. Mais je finis quand même deuxième. C'est parti, comment ça se passe? Chargement, increase, please, le menu. Alors, j'ai gagné des sous-sous, et c'est ça qui est important. Et hop, pardonnez-moi, chers amis téléspectateurs, hein, qualité 100%, est-ce qu'il y a 200? Non, il n'y a pas 200. Hein. Mais par rapport aux droits d'auteur, hein, je vous mettrai une musique un petit peu plus personnelle, parce que je pense que tous les titres vont m'être légèrement supprimés par YouTube qui déteste... On utilise des musiques qui pas à soi. Ouh, donc ça va être assez long. Alors comment ça se passe maintenant que j'ai ma voiture? Donc ajouter ma voiture. Non. D'accord. C'est pas ça qu'il faut faire. Ouais, Batmobile. La classe. Alors comment je fais? Retour en arrière. Derby.
Voilà, on va changer. D'accord, donc j'ai pas développé assez de sous pour pouvoir passer à la suivante. Non. On va recommencer. On va faire plus de sous ce coup-ci. Ça c'est l'éclatage. Ça c'est de la destruction derby ça. Ça c'est. Voilà, lui qui a ses gros pics, là, faut l'éclater en premier. Faut être stratégique. Voilà, prends ça dans ta gueule. C'est une voiture, mais bon. J'ai l'impression de faire des auto-tamponneuses quand on est gamin. Voilà, l'impression de vitesse, c'est pas trop là. Je peux regarder derrière moi. On tue. Ah, on a vu dans le bon sens. Ok. C'est quoi le compteur en haut? Ok, donc j'explose à la fin du compteur, c'est pas terrible ça. Est-ce que je peux passer à l'arène suivante? Oui. Allez, et c'est parti pour la seconde arène. Et c'est parti, on va faire de la destruction du derby, on va tout casser, on va tout envoyer dans le talus, tu vas voir. Allez, c'est parti, on commence par le 4-4. 4-4 de pleine face, et non. Et non, malheureusement, le 4-4 était bien plus loin que ce que j'aurais pensé. On s'est fait prendre par le côté. Et oui, et lui, il va le sentir passer. Voiture de police, voilà, nique la police. Oh, nique la police. Voilà, hop, on fait du sous-sous. Je dis bien, ça permettra d'ouvrir la prochaine arène. Peut-être acheter une voiture, je sais pas trop comment ça se passe. En tout cas, ce jeu. Une bonne découverte assez défoulante, tu vois, t'as ça dans ton téléphone, t'es en salle d'attente, voilà. Pour les plus jeunes, t'es chez le directeur, tu fais de la destruction derby, on t'engueule, pas grave. C'est parti, regarde les gars, il va se faire éclater comme une merde. Bam! Ouais, du coup, c'est moi qui vais me faire éclater, si je reste là, je bouge pas. Par contre, j'ai l'impression que ma voiture elle est au ralenti là. Je sais pas c'est quoi, c'est des baves là qui m'ont donné aussi. Donc il me reste 28 secondes pour faire le plus de sous-sous possible. Peut-être même une chance de finir premier, je sais pas. Ça m'étonnerait. Alors, ouf, et voilà. Éclaté. Et non, je finis quatrième. Alors, pour une découverte, c'est une bonne découverte. Hein. Donc, je peux toujours pas acheter de voiture. Comment ça se passe? C'est cadeau, il y a quoi dans le cadeau? Non. Voilà. Moi, j'ai pas de connexion Internet. Ok. Donc, finalement, ce ne sont que des arènes. Donc, là, j'ai débloqué deux arènes. Je vous laisserai à vous le. Je vous laisserai à vous le choix de terminer le jeu vous-même, hein, comme je vous le disais. Donc, on va faire un petit tour quand même découverte. Donc, au niveau des voitures, on a quand même deux belles voitures, plutôt bien modélisées. Mais merde, l'armée, un tâcheux. Donc, non, je pense qu'il y a de quoi faire. Voilà. Donc, si tu as envie de jouer au jeu, eh ben, n'hésite pas. Le lien est dans la description. Et puis, bah, j'espère que cette découverte de Destruction Derby Simulator vous aura plu. Et à bientôt!